voilà, le plus important, c'était de gagner en montrant un bon état d'esprit. Ça n'a pas été voilà, super sur le terrain, mais voilà, entre nous, on s'est resserré, on n'a pas lâché, on s'est encouragé du début à la fin. Donc voilà, c'est positif. Si je mets les points, je pense que voilà, on gagne même s'il n'est pas en réussite aujourd'hui. Voilà, il était un peu en difficulté aujourd'hui. C'est à nous de l'aider, de lui montrer qu'on ne le lâchait pas sur ce match-là. Parce qu'on sait très bien qu'un mec comme Johnny peut nous faire gagner un match à tout moment et beaucoup plus tard dans la saison. Donc voilà, c'est une belle preuve d'esprit d'équipe qu'on a montré aujourd'hui. L'esprit collectif, je le retiens tous les jours, moi, avec mes joueurs. Je les aime, moi, mes joueurs. Et j'espère qu'ils m'aiment surtout. Voilà, il y a un simple, on a envie de pleurer, on a envie de souffrir, on a envie de trucs. L'esprit collectif, jamais, je n'ai pas ressenti d'esprit collectif dans cette équipe, jamais. Par contre, c'est vrai que des fois, elle s'est faite bousculer, parce qu'aussi, des fois, on n'alignait pas non plus notre 15 majeur. Mais c'est pas être méchant avec ceux qui ont attaqué, il faut les faire jouer, il faut leur donner du temps de jeu. On me fait rire quand on me dit samedi, j'entendais au Stade Français le chroniqueur qui dit les champions d'Europe. Oui, il y en avait 4 sur le terrain champion d'Europe. Mais c'est pas parce qu'on met le Toulon qu'on met le maillot de Toulon qu'on est champion d'Europe, ça me fait rire ça. Et d'abord, c'est parce qu'on met le maillot de Toulon qu'on est bon. C'est ce que je leur disais aussi, quoi. Ça se saurait, sans quoi. Quand je le mettrais moi de suite, ça veut dire que je suis bon. Non, je crois qu'il faut rester les pieds sur terre, il faut avancer. Ce que je leur disais pendant 48 heures, c'est savoir où on en est, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on veut aller là. Il y a toujours un sens à donner. Après, tu gagnes les matchs, tu les perds les matchs, mais effectivement, quand il y a un chemin de tracé, que tout le monde s'y engouffre, eh bien, tu as plus de chances d'aller au bout. Effectivement, on a mis les cordes et les phares aujourd'hui. On était dans le noir, on a mis les cordes et les phares, on y voit un peu plus loin, mais ça ne veut pas dire que c'est arrivé. Mais l'esprit collectif, je l'ai toujours senti dans cette équipe. Ça va vite, la Coupe d'Europe, on le sait. Il y a 3 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. Donc déjà, à la maison, il faut faire carton plein, et puis il faut essayer d'en choper un ou deux à l'extérieur. Mais déjà, un, c'est compliqué, on le voit. On est passé proche à Cardiff, on l'a laissé échapper. Bon, là, on tient celui-là, mais c'est pas fini. Effectivement, on a fait un bon pas, mais rien n'est fait. Encore une fois, on s'est mis dans les meilleures positions. Mais que je sache être en pole position dans un Grand Prix ne veut pas dire que tu vas gagner le Grand Prix.